à ce qui sévit de la foi en Afrique, intéressé aux nombreuses questions brûlantes qui préoccupaient ce continent, de son vivant, le cardinal Malula a porté des propositions très concrètes qui indiquent comment, dans ces contextes particuliers, les communautés chrétiennes sont appelées à écrire leur histoire selon l'Esprit. Il reste un personnage épris des passions pour la profondeur subversive de la parole de Dieu. Il voit le jour le 17 décembre 1917 dans une famille très chrétienne catholique. Ses parents sont originaires de la province du Kasaï et celle de l'Équateur. Cinquième d'une famille de 8 enfants, Joseph Malula fréquente en 1924 l'école primaire Sainte-Anne, dirigée à l'époque par le père Raphaël de la Quiétude, qui exerce une influence décisive sur son avenir. 6 ans après, il sera repéré comme un élève doué et sera envoyé au petit séminaire de Mbatakiela dans le Congo central. Très vite, il se révèle un élève extrêmement brillant. En 1934, Malula est transféré au petit séminaire de Bolongo dans le nord du Congo. Il prend conscience de sa vocation. Le jeune homme de 20 ans entame des études post-secondaires au grand séminaire de Christ Roi de Kabwe, situé dans le centre du pays. Il y étudie 3 ans la philosophie et 5 ans de théologie. En effet, ses études ont indéniablement laissé une empreinte indélébile sur Malula. Durant sa formation, il développa rapidement un goût très prononcé pour la lecture en se plongeant dans les écrits des pères de l'Église, particulièrement d'Augustin et de Cyprien. Il découvre avec enthousiasme les grands philosophes modernes. Mais la rencontre décisive sera l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, dont il découvre la rigueur et l'esprit de méthode. En 1944, Joseph Malula achève ses études de théologie. Après une année de stage au petit séminaire de Bokoro, il est ordonné prêtre le 9 juin 1946 au stade Reine Astrid de Kinshasa, en compagnie de son condisciple et ami Eugène Moké. Après son ordination, Joseph Malula est d'abord professeur au petit séminaire de Bokoro. Ensuite, il sera nommé vicaire à la paroisse Saint-Pierre, curé de la paroisse Christ-Roi, et plus tard, curé de la paroisse Saint-Pierre, toujours à Kinshasa. Premier prêtre noir à exercer la charge de curé à Kinshasa. Sa vigueur dans la prédication, son éloquence, son zèle apostolique, sa capacité de gouvernance, sa vision de l'Église et son sens de travail en équipe lui assurent une confiance sans réserve de la part de son évêque Monseigneur Scalet. Durant ses premières années qui coïncident avec l'émergence de la vague de la décolonisation, Malula devient à Léopoldville l'une des chevilles pensantes de la société. Il est perçu par les tout premiers jeunes intellectuels congolais comme un guide attachant. Nazaki jeune, Mama Botakinga Awa Nambomu. Nambomu numéro 64. Et sika Bakunda ki motolu mwangai wana. Nambomu numéro 64. Soge ko timola wana te nase okomona motolu ya cardinal. Malula est souvent sollicité pour l'animation de plusieurs mouvements chrétiens, parmi lesquels l'Action catholique. Il est fondateur de la Ligue des évolués catholiques du Congo. En août, il a lancé le mouvement familial chrétien. Nommé vicaire apostolique auxiliaire quelques mois avant l'indépendance du Congo, Joseph Malula devient archevêque de Kinshasa. Après sa nomination, Malula doit faire face à la vague des indépendances et à la tenue du Concile Vatican II, mais aussi à de nouvelles idéologies politiques africaines basées sur la revendication des identités culturelles traditionnelles. Ces problèmes imposent la nécessité de l'africanisation de l'Église. Cette dimension sociopolitique de l'Église congolaise à l'époque de Monseigneur Malula est réprimée par le pouvoir dictatorial de Mobutu. Victime des campagnes d'intimidation et d'isolement, Monseigneur Malula échappe d'extrême justesse à une exécution programmée. Il est envoyé en exil à Rome. 6 mois plus tard, à la faveur de l'intervention diplomatique et personnelle du pape Paul VI, il a pu retourner au Congo. Il a organisé des ministères dans son diocèse avec la création d'un ministère pour laïc appelé Bakambi, dont l'urgence était de redéfinir l'Église à partir des petites communautés chrétiennes. Il a promis et mis en œuvre une liturgie chrétienne d'expression africaine, appelée communément rite zaïrois ou rite congolais de la messe. Il a impliqué l'Église dans des questions touchant le développement et la justice sociale. Le cardinal Malula a assumé en tant qu'évêque les fonctions du vice-président de la Conférence nationale des évêques du Congo et de président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il a pris une part active au Concile Vatican II en contribuant grandement à la rédaction du fameux document sur la liturgie. Son activité pastorale est caractérisée entre autres par ses implications dans le processus de l'indépendance du Congo, sa participation au débat relatif à la reconnaissance de la théologie africaine, son souci pour la famille chrétienne, pour la formation des prêtres, la création d'une communauté religieuse féminine dont le style de vie est encore à ces jours, le point de référence en Afrique, le Sœur Thérésienne de Kinshasa, la création des lieux de formation pour prêtres et agents laïcs des pastorales. Enfin, il meurt le 14 juin 1989. Joseph Albert Malula aura fait de sa vie un combat pour assurer une transition heureuse entre hier et aujourd'hui. Il a permis une rencontre féconde entre le message du Christ et les réalités de la vie des hommes et des femmes. Il a construit un dialogue vivant entre l'Occident et l'Afrique.